C'est un mensonge officiel. Bonjour Manuel Domergue. Bonjour. Merci d'être passé et de passer par le journal de TV5 Monde. Cameroun, histoire d'une guerre cachée, c'est aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage très documenté, volumineux, 700 pages, avec Jacob Tatsitsa, il est historien camerounais, vous l'avez écrit avec lui, et avec Thomas Deltombe, qui comme vous est journaliste. Pourquoi est-ce que la France nie toujours l'existence de cette guerre qui s'est déroulée entre 1948 et 1971? La France continue à nier officiellement. François Fillon est allé à Yaoundé en 2009 et a dit « Tout ce que vous racontez, ce sont de pures inventions ». Pourquoi est-ce qu'ils nient? Parce qu'ils en ont honte, parce que c'est pas très glorieux d'avoir fait une guerre à un parti qui était l'Union des Populations du Cameroun, l'UPC, qui réclamait seulement l'indépendance, qui réclamait seulement la démocratie. Et c'est pour empêcher ça que la France a mené une guerre avec ses alliés camerounais de l'époque face à ce parti-là. Et il y a eu des atrocités, il y a eu des bombardements, il y a eu des tortures. On connaît à peu près le bilan de cette guerre? C'est difficile à chiffrer. Les estimations qu'on a tournent autour de 100 000 morts. Mais ce sont des estimations qui viennent souvent de sources françaises, donc peut-être minimisées. Et on peut penser qu'il y en a eu plus que ça. C'est assez difficile à dire. Nous, on ne s'est pas vraiment axé sur le bilan chiffré. On essaie de montrer les mécanismes qui ont conduit à cette guerre et qui ont conduit à la confiscation de l'indépendance. Alors justement, indépendance 1960, le Cameroun passe d'un territoire sous tutelle onusienne administré par la France, donc à une indépendance. Quel intérêt Paris avait de conserver la mainmise sur le pays? Alors, c'est comme sur tous les pays africains qui étaient colonisés par la France a accepté de partir à une condition, c'était de garder la mainmise dessus. Pourquoi? Pour les ressources naturelles, pour les matières premières. Au Cameroun, il y a du pétrole, il y a du café, il y a du cacao, il y a pas mal de choses comme ça. Et puis pour le prestige, pour la puissance, l'Empire français, la puissance française gaulliste, tient à cette époque parce qu'il y a l'Empire africain derrière, ou l'ex-Empire africain, ce sont des voies à l'ONU, c'est un réservoir de puissance. Et le général de Gaulle a accepté la décolonisation à cette condition, à la condition d'avoir des accords de coopération qui donnaient à la France un rôle prépondérant en termes de commerce, en termes de coopération militaire, etc. Et en fait, le traumatisme de Gaulle, et puis de la France en général, c'est d'avoir perdu l'Indochine, puis l'Algérie. Et ils ont absolument fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter ce même scénario en Afrique subsaharienne. Alors ils ont raté en Guinée avec le nom de Sékou Touré, et au Cameroun, puis ensuite dans tous les autres pays, ils ont réussi par la force. En tout cas, c'est ce qu'on montre dans le cas du Cameroun. Il y a eu une opération politique assez habile de coopter des dirigeants camerounais tels que le premier président camerounais Amadou Ahidjo, qui était un pro-français. Justement, comment ils arrivent en fait à s'approprier des alliances internes, des alliances locales, des Camerounais? Comment est-ce qu'ils y parviennent? Comment est-ce que tous ces gouvernements successifs français sont parvenus à avoir des alliances internes? Alors, la première manière la plus simple, c'est de combattre tout simplement les vrais indépendantistes, les nationalistes, donc l'UPC de Ruben Niamey. Les combattre, ça veut dire frauder les élections, ça veut dire emprisonner les leaders, leur faire la guerre quand c'est nécessaire, les assassiner en brousse, comme c'est le cas pour Ruben Niamey en 1958, ou en Suisse, Félix Moumier, le président de l'UPC, qui a été empoisonné par la France, tout simplement. Et l'autre revers, c'est la carotte, après le bâton, la carotte, c'était d'acheter, de coopter des leaders dociles camerounais qui ont été formés en France, qui ont été choisis par les Français et pour lesquels on a truqué les élections. Amadou Ahidjo a été non pas élu par les Camerounais, mais choisi par la France au terme d'élections truquées. Jamais d'enquête sur les assassinats politiques, justement, de ces chefs indépendantistes camerounais? Il y a eu quelques enquêtes. Hein. On ne dit pas qu'on arrive et qu'on découvre tout. Je pense notamment à Mongo Betty, qui est un romancier, écrivain camerounais, qui a fait un livre à succès qui s'appelait Main basse sur le Cameroun. Un livre qui a été censuré en France dans les années 70. On a reçu d'ailleurs sa veuve, Odile Thomner, exactement, qui préside l'association Survie. Donc il y a des gens qui dénoncent ça depuis quelques temps. Et nous, ce sont ces dénonciations qui nous ont interpellés en tant que journalistes et historiens. On s'est dit, mais c'est quand même incroyable. On parle de bombardement, on parle d'une guerre qui... Personne ne dit le mot guerre aujourd'hui en France à propos du Cameroun. On parle parfois d'événements, de troubles. Ben non, c'est une guerre qui s'est passée. Et une guerre a besoin d'être documentée. Il faut qu'il y ait des journalistes qui enquêtent, des historiens qui se renseignent, qui aillent dans les archives. C'est un travail de 4 ans. Vous avez eu du mal justement à faire vos recherches ou pas du tout? On a eu beaucoup de mal parce qu'il faut être des deux côtés. Il faut être au Cameroun et en France. C'est pour ça qu'on a une équipe franco-camerounaise. Comment vous avez travaillé avec Thomas Deltombe et avec Jacob Tatsitsa? Alors, là où on apporte quelque chose, c'est qu'on allait voir les témoins français qui n'avaient jamais parlé, pour la plupart d'entre eux, alors qu'ils sont dans l'annuaire, que n'importe qui peut les contacter. Mais personne ne s'était intéressé à leur témoignage. Donc, on a confronté leurs témoignages, les témoignages des politiques camerounais, des anciens maquisards, etc. Et puis, on les a confrontés aux archives. Donc, on aboutit à des témoignages, à des aveux parfois qui sont intéressants, notamment le chef d'état-major de l'armée camerounaise, le général Pierre Semengue, qui était le premier général camerounais formé en France,
qui nous dit oui, c'est mon armée qui coupait la tête des maquisards. Ils coupaient la tête des maquisards. C'est-à-dire que dans une espèce de pays normal, enfin, quand on arrête quelqu'un qui est hors la loi, bon, on l'arrête, on le met en prison. En cas de légitime défense, éventuellement, on peut tirer. Mais là, c'est différent. Là, c'est une politique de terreur systématique qui fait qu'on torture les gens qu'on arrête et que parfois aussi, on leur coupe la tête pour les exposer sur les marchés, sur les places publiques. Quelle a été l'info la plus étonnante que vous ayez découverte au cours de vos recherches? Alors, Parce que vous avez eu accès notamment aux archives militaires françaises, enfin une partie en tous les cas. Moi, ce qui m'a étonné, par exemple, c'est que le premier directeur de l'école militaire camerounaise, donc en 1960, la France crée l'armée camerounaise de toutes pièces, et ce premier directeur était un lieutenant français qui s'appelait Jacques-Louis Lefebvre et qui revenait d'Algérie et qui était un tortionnaire, tout simplement. Il était lieutenant et les officiers camerounais aujourd'hui ont été formés par un tortionnaire. Et on a rencontré les officiers qui ont été formés cette première année 60. On leur a dit, parlez-nous de Jacques Lefebvre. Ils nous disaient, oui, il nous apprenait à torturer. Les officiers faisaient des stages dans des prisons, on leur montrait la GIGN. Et c'est la France qui apprenait ça. Alors vous m'avez dit qu'il y avait eu une forte répression lorsque vous y êtes allé en février 2008, vous avez assisté à des manifestations, un peu à l'image peut-être de ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe pour Ben Ali en Tunisie pourrait se passer pour Paul Biya aujourd'hui au Cameroun? C'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a un ras-le-bol dans la population tunisienne, comme on peut le connaître dans la population camerounaise. Et les deux situations sont évidemment différentes, mais il y a quand même des parallèles assez intéressants. C'est que en Tunisie, il y a eu deux présidents depuis l'indépendance, Bourguiba et Ben Ali. Au Cameroun, il y en a eu deux également, Amadou Ahidjo et Paul Biya. Paul Biya était le premier ministre d'Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'il y a une continuité depuis 50 ans. 50 ans, c'est quand la France a donné l'indépendance à des gens qu'elle avait choisis. Et donc, on peut dire aujourd'hui que Paul Biya, que les dirigeants camerounais, ont été choisis initialement par la France. Et le peuple camerounais n'a pas eu à dire son mot. Et quand il a à dire son mot, quand il va dans la rue, on lui tire dessus. En février 2008, il y a eu plus de 100 morts en 3 jours. C'est-à-dire que l'armée, la police camerounaise tire sur les manifestants. Vous m'avez dit que le fil conducteur, en fait, de cette négation de la France concernant ce conflit, c'était le racisme. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est quelque chose déjà qu'on voit dans tous les textes qu'on étudie. C'est ça aussi qui est choquant dans les archives, c'est qu'on pourrait imaginer des stratégies impériales de la France. C'est pas propre à la France. Mais c'est toujours habillé d'un racisme, un racisme typiquement colonial, où on méprise les gens et on veut faire leur bien à leur place. Et donc pour cela, on les force à travailler, on leur dit comment développer leur pays. Et quand ils sont pas d'accord, au lieu de les consulter, au lieu de faire des élections démocratiques, on leur fait des guerres. Et ça, c'est typiquement raciste. Et aujourd'hui, le fait de penser que les Camerounais ne sont pas prêts pour la démocratie, que après tout, un despote, c'est pas plus mal pour des peuples africains, c'est typiquement raciste. Alors, vous invitez notamment les Camerounais à pouvoir consulter certaines parts de ce livre, donc sur www.cameroun, à l'allemande, avec un k-lesite.org. Ça permet à tout le monde de consulter un certain nombre d'éléments. Je rappelle donc Cameroun, une guerre cachée, c'était aux éditions La Découverte avec Thomas Deltombe, Jacob Tatitsa et vous, Manuel Domergue. Merci beaucoup d'être passé par Journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.